Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hors série sur Spooky Wars. Donc c'est un petit jeu qui est sorti il y a moins d'un mois, que j'avais où je m'étais préinscrit comme d'habitude, hein, j'adore faire ça sur les jeux sur téléphone. Et donc c'est un jeu qui va mélanger donc de stratégie, qui va mélanger du tower defense avec aussi le délire un peu, vous savez, où vous mettez des cartes sur le terrain, elles apparaissent et vos unités se battent contre des PNJ, en gros contre des bots. Donc ça va être un peu de ça. J'ai trouvé ça vraiment sympathique, je suis un gros fan de Tower Defense, autant sur téléphone que sur PC en termes de petits jeux, quand c'est bien fait. Maintenant c'est plus sur téléphone, on va pas se mentir, mais donc voilà. Du très bon Tower Defense, j'ai très vite accroché, on va voir ça tout ça ensemble. Je vais peut-être un peu baisser le son. Attendez, parce que j'ai l'impression que le son est trop fort. Hop, de toute façon je vais vous montrer si en vidéo il n'y en a pas. Ok, donc nous revoilà partis dans cette bataille épique. On va voir un peu comment ça se passe. Donc j'ai skip le tutoriel. Est-ce qu'on peut le refaire? Je ne suis pas sûr. Donc comme d'habitude, vous avez un pass sur tous ces jeux, etc. etc. Là, on est sur Blue Stark, hein, les amis. C'est pour ça que vous voyez ma souris. Donc il va y avoir un délire de cartes. Comme d'habitude, vous allez avoir donc gagner des coffres, etc., etc. Et dans ces coffres-là, vous avez débloqué des cartes. Et ces cartes-là vont, par exemple, il va falloir en avoir deux pour les faire monter de niveau. Regardez vos decks. Oui, ok. On a un deck qu'on emporte sur le terrain. Donc là, vous voyez, on a que ça au début. Et vraiment, c'est très, très sympa. Très bien foutu. Oh putain. Il y en a une qui est une nouvelle carte qui a été rajoutée le 13 novembre. Donc il y a quelques jours maintenant. Donc le jeu se tient, fait des mises à jour, etc. Donc c'est pas de la merde. Enfin, excusez-moi du terme. Mais en tout cas, voilà. Alors là, vous avez le château. C'est là où on va avoir. Donc on va devoir construire des salles, etc., etc. Et les améliorer. Donc le trône, pièce principale du château. Elle contrôle les étages à construire et leur niveau maximum. Donc ça, j'ai trouvé ça stylé pour un, comment dire, un tower defense. Il y a un délire aussi de gérer un peu son château, de gérer ses levels, parce que c'est ce qui va nous permettre de débloquer par exemple des armes en plus ou des défenses en plus. On va avoir en termes de défense les cartes et aussi bah, des arbalètes, etc. qui sont fixées sur le château de base. Notre château hanté, celui qu'on doit défendre. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez que ça a été pris en quelques secondes. Tac, on va valider ça. Bah, pourquoi ça veut pas, dis donc? Bon, ça veut pas. Ok, d'accord. Donc là, sur Blue Stark, ça veut pas du tout. Au pire, c'est pas grave, mais dans tous les cas, je crois pas qu'on en ait besoin pour commencer le jeu. Donc là, vous allez pouvoir augmenter pareil. Vous configurez les armes et les protections du château pour votre campagne. Ça va être l'arsenal du château, voilà. La campagne, configurez les troupes pour votre campagne. Ici, on aura nos différentes cartes. 2, 4, 6, 8 cartes qui vont spawn différemment dans notre main. Vous allez voir comment c'est fait. Attaque. Configurez vos troupes d'attaque 1v1 et leur formation. Hop là, après j'ai vu qu'il y allait avoir un PVP qui va arriver, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai regardé un peu les futures mises à jour, et j'espère que ça va vraiment être top. Donc là on va aller voir les cartes au début, pour l'instant on a que ces cartes là, vous voyez. Donc on va aller peut-être lancer une petite partie, je vous ai montré à peu près tout, les événements bientôt. Ok, donc là pareil en haut on a notre bif, nos petites diams, ça on a l'habitude, et ça nos couronnes, on verra par la suite ce que ça vaut. On peut ouvrir un petit coffre tout de suite, on va le faire bien sûr, hein, histoire de choper des cartes. J'ai trouvé que les coffres étaient plutôt bien foutus, qu'on avait pas mal de cartes, vous allez voir ça, hop. Donc là on augmente, voilà, on a déjà gagné des cartes pour pouvoir augmenter tel ou tel truc. Hop là, est-ce qu'on peut aller voir, on peut augmenter ça par exemple, améliorer, hop là. Donc l'arme du château qui tire des flèches enflammées sur les ennemis terrestres et volants. Donc c'est ça, vous allez voir, il y a plein de styles différents, plein. Pour l'instant j'en ai vu quelques-uns, quoi, en gros, d'ennemis différents. On va faire la campagne. Donc la campagne, le cimetière, vous allez la passer, il va falloir faire tant de trucs pour accéder au boss et accéder au prochain monde. Vous voyez comment ça se passe? Moi sur mon téléphone, me semble-t-il que je suis par là. Vous voyez? Donc là, normalement c'est ce qui est en dessous, c'est pour le pass de combat, pour ceux qui vont payer le pass. Voilà. Comme d'habitude, à vous de voir. Mais vraiment, si vous aimez les Tower Defense, vous allez kiffer. Un peu de Tower Defense, c'est un peu de mélange de aussi de jeux stratégiques où il va falloir activer telle carte quand il faut, etc., etc. Donc déjà, je vais arrêter de parler et on va jouer. Spooky Wars. C'est vrai que ça fait, c'est un peu en retard. C'est un petit jeu d'Halloween, quoi, en gros. Donc, Wave 1. Pour l'instant, on joue contre l'ordi. On est un guest, bien sûr. Donc là, vous voyez, on nous attaque. Notre château se défend. Je vais faire exprès. Hein. Je vais vous le montrer un peu. Ça, c'est une attaque... unité aérienne. Nous on va invoquer un géant qu'on va invoquer ici. Hop là. On va invoquer ça ici. Et des petits zombies aussi. Des petits mecs au couteau. Des petits squelettons. Ça, en fait, l'éclair, ça va être en gros Zeus qui vient taper le sol. Hein. Vous allez voir ça très rapidement.
Donc là, j'ai fait de la merde, hein, j'ai qu'une seule étoile. Bon, si je le refais correctement, vous allez voir qu'on va les dégommer, hein, c'est logique. Là, je vous ai laissé un peu vous montrer au début, voir comment le château se défend. Donc là, pareil, on va, en fonction des victoires, débloquer des coffres, etc., etc. Là, il va falloir cliquer dessus pour commencer le déblocage et attendre 1 ou 2 minutes pour ouvrir le coffre. Vous pouvez regarder une pub qui va accélérer de 1 heure. Mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer une gemme, on s'en fout. Ouais, on va payer une gemme, on récupère la gemme. C'est nickel. Vous voyez que quand on ouvre un coffre, certains coffres, c'est juste abuse merde. Ok? Donc là, on peut enfin valider. Ah, la construction du trône est prête. Donc là, c'est nous, hein, on est le roi. Donc là, en fait, plus le trône sera élevé, plus vite, plus on pourra augmenter nos campagnes, notre arsenal, notre attaque, etc. Nécessite le trône L3. Donc level 3. Ici, il faudra être level 3 pour pouvoir accéder à des améliorations. Cette mise à niveau nécessite au moins le niveau de joueur 2. Pour l'instant, on est niveau 1 et il nous faut 10 étoiles. Donc, on va dire, ouais, 3-4 matchs gagnés complètement. Là, on a fait de la merde sur le premier. Tout simplement, on a gagné qu'une seule étoile. Ce qui est vraiment pas ouf. Du coup, bah, c'est ce qui va ralentir notre progression sur la barre de progression des différents niveaux. Donc là, on va y aller directement. On va mettre ça là. Il nous faut aussi une attaque aérienne. Parce que ça fait chier, ça, quand même. Oh, on va mettre un petit géant ici pour défendre. Un petit tonnerre. Donc le tonnerre est vraiment bien foutu. Et donc, comme vous voyez, quand une unité a fait son taf d'un côté, elle revient de l'autre. Tout simplement. Donc là, vous voyez, on a le full étoile et on a la wave qui est terminée. Là, il y a une bombe, voilà, c'est le petit clown qui fait ça quand il meurt. Et vraiment, je suis tombé d'affection sur ce jeu. J'y ai joué ouais, 1 heure d'affilée pendant plusieurs jours, j'ai kiffé. De temps en temps, dans mon lit, je me pose dessus. Ça change un peu de Hearthstone. Excusez-moi, une vieille habitude des jeux de cartes. De Shop Titan, tout simplement. Donc là, pareil, on va se l'ouvrir, on entre nous. On n'a pas envie d'attendre 2 minutes, on n'a pas envie de regarder de pub non plus. Puis on a 150 gemmes quand même pour commencer dans le jeu, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Hop là. Donc vous voyez qu'ils sont assez généreux, même en gemmes ou en argent, et surtout en cartes. Alors on va pouvoir améliorer notre petite défense du château, même si on n'en a pas besoin tout de suite. Hop là. Et en vrai, je serais curieux de faire 2-3 vidéos dessus. Bien sûr, si vous êtes d'accord, ça pourrait vraiment être cool pour ceux qui aimeraient bien voir comment ça se passe. Car c'est un tower defense, c'est vraiment stylé. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas... c'est répétitif ou pas. Quand vous allez voir qu'on va changer de monde, c'est un autre délire, il y a d'autres ennemis, etc. Puis le délire des cartes que tu améliores, c'est bien foutu en vrai. Et bien sûr, après, tu vas pouvoir drop des cartes épiques, des cartes légendaires, etc., etc. Là, on va se faire kiffer, on a des pièces. Même si je pense que les pièces, on devrait peut-être les garder pour améliorer notre château. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, on va payer, allez, on améliore bien nos zombies. Donc les zombies, on va les garder dans le deck pour l'instant. Monter de niveau 3. Donc là, on est level 3 maintenant, vous voyez en haut. Hop là. Donc ici, on va pouvoir enfin débloquer cette amélioration-là qui coûte 100 pièces quand même. Vous voyez qu'on a bien dépensé des pièces. Hop là, on va lancer l'amélioration. On va l'accélérer, on n'a pas le time pour la vidéo, bien sûr. Je ne vous conseille pas au début de faire ça. Au début, c'est 1 minute, 2 minutes, etc. Faut mieux le faire. Attendre 1 seconde ou 40 secondes. Là, bon, 5 secondes, on va attendre. Hop là, on va... Ok, on va attendre que ça s'améliore ici. Hop là, donc là vous voyez, là c'est notre deck, pardon. Le coût moyen de notre deck c'est 2,4. Donc quand on a 2,4 de mana, on peut à peu près jouer la moitié de notre deck. Donc voilà, vous voyez, on a du 4, du 2, du 2, du 3, du 1. Et là pareil, on va pouvoir changer. Par exemple, moi il y a une unité que j'aime pas trop, ça va être le clown. Je trouve, moi je l'aime pas. Voilà, autant sur cette partie que sur l'autre. Donc je pourrais rajouter par exemple à une autre carte. Pour l'instant, c'est pas possible. On va améliorer l'arsenal, bien sûr. On va attendre 5 secondes. Pour l'instant, en vrai, on va juste améliorer ça. Ok. Donc là, pareil, là, ça va être les défenses du château. Ça va être tellement fort, mais pour l'instant, on va pas le faire. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Non, il faut le trône L3. Hop là. Donc level 3 pour le château. On va le faire. Ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir ça en plus dans, on va dire, le Tower Defense. En plus, il va y avoir apparemment un PVP, ce qui va pouvoir être vraiment cool. Je me demande comment ça va être, hein. C'est comme vous. Je ne suis pas sûr de... est-ce que ça va pas être... ouais, le mec est pas là et toi, tu joues contre lui. Si vraiment, c'est du PVP, mais en temps réel et tour par tour, c'est énorme. Vous voyez, avec un petit temps, genre, tu joues ta carte, t'as 15 secondes pour jouer une carte, hop, il la joue, tu la joues, tu la joues. Ça pourrait être vraiment sympa. Avec chacun d'un côté, le château... bah de chacun, voilà, mon château contre ton château. Oula, là on va jouer des fantômes, c'est une unité aérienne. Oh non, j'aurais dit que c'était aérienne, tu vois. On va mettre des petits zombies, on va mettre un colosse aussi. On va mettre un Frankenstein. Donc ça c'est de la merde, on va, hop là, y détruire.
Ce qui est ouf, c'est que ça se joue aussi bien sur téléphone que sur PC. Et sur PC, je trouve ça vraiment même plus sympa avec la souris, vous voyez? Donc là, normal, hein, on a... Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? On s'est mangé les dégâts, on a pas eu les trois... Enfin, on a eu les trois étoiles, mais on n'a pas eu le score maximum. C'est pas grave. Dans tous les cas, on ramasse nos petits trophées, ce qui nous fait progresser dans la campagne. Bien sûr, je n'aime pas le jeu, c'est pour ça que je le présente en vidéo. On va rapidement faire ça. Alors, est-ce qu'on peut d'abord, hop là, aller ouvrir ça? Bon, ça nous fait faire une petite partie encore. Allez, on recommence. Vous voyez, c'est vraiment un jeu très simple à appréhender. Hein. C'est pas très compliqué, mais vraiment, si vous kiffez le Tower Defense comme moi, vous allez adorer ce jeu. Vraiment. Alors, bien foutu. Hop là. Donc là, vous voyez, next. Ça, c'est la prochaine carte qui va arriver quand on va jouer une carte. Hop là. Hop là, vous voyez, elle remplace. Okay, bon, pour l'instant, on les défonce, hein, c'est normal. Moi, au niveau où je suis, ça devient un peu plus compliqué. Ça va être compliqué au niveau du mana. Du coup, il va falloir commencer à gérer son mana, etc. À savoir quelle carte, par exemple. Quelle carte va falloir jouer au début, par exemple. Jouer peut-être un gros baraquet, vous voyez. On va utiliser une petite gemme pour ouvrir le pack. On va pas faire une vidéo de 40 minutes non plus, hein. 250 pièces, vraiment pas dégueu. 25 cartes. 15 cartes. Oh là là, c'est énorme. Vous voyez comment on nous régale en cartes? En vrai, ça tient le coup. Vous allez voir, pendant quelques temps, on n'a pas besoin d'améliorer non plus notre truc à fond. Il va falloir gérer un peu notre business aussi, notre bif. Ça, c'est en amélioration pour l'instant. Ok. Donc là, pareil, le bout qui passe, on s'en fout, hein. Vous pouvez avoir des trucs gratuits aussi, bien sûr. On va pas augmenter pour l'instant nos cartes, on s'en fout. Tac, on va commencer le déblocage Oh, allez, on l'ouvre. On est des gourmands. On l'ouvre. Hop là. Ok, 63 pièces, une gemme, donc ça nous rembourse le coffre. 18 towers, 18 petites arbalètes de la tower. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'améliorer ça. Ça tellement fort en vrai. On gagne plus 2 dégâts par seconde et plus de dégâts. C'est ce qui est logique en fait. Hein. Ça commence à coûter cher un peu les améliorations. On va garder l'argent pour l'instant. On va recommencer, faire une petite partie. Mais en gros, vous avez compris le système du jeu. C'est pas très compliqué. Mais ouais, je serais curieux de refaire une petite vidéo dessus quand j'aurai progressé, par exemple, de la prochaine campagne. Campagne, pardon. Vous faire une vidéo où je suis dans la prochaine campagne, etc., etc. Une vidéo, par exemple, par campagne. Ça pourrait être sympa. Pour voir ce que j'améliore, ce que j'ai drop comme carte aussi. Ça pourrait être vraiment cool. Donc là, vous voyez que le mana se remplit assez vite. Hein. On va vite les gagner, de toute façon. Hop là, on va faire spawn un petit fantôme. Il est costaud le magicien là. J'aime bien le délire du jeu, je trouve vraiment cool. La direction artistique, etc., etc. Donc là, vous voyez, on va commencer aussi à pouvoir regarder des pubs pour gagner des pièces en plus. Encore une fois, c'est à vous de voir. En vidéo, je ne le ferai pas. Sur mon téléphone, je vais pas vous mentir que je l'ai fait quelques fois. Car les pièces sont vraiment sympathiques pour après les dépenser dans les améliorations du château, qui coûtent bien sûr de plus en plus cher. Donc une minute, on va accélérer et on s'en fout. Donc là, vous voyez que ça change un peu. On va pouvoir aussi donc voir les cartes, comment ça fait. Là, encore une fois, j'ai pas gagné de cartes, mais on va pouvoir en ouvrir. Ici, je ne peux toujours pas mettre de deuxième défense. Ça sera des cartes que j'aurai, par exemple. On va améliorer. Pour l'instant, ça sert pas à grand-chose. Est-ce qu'on peut construire ça? Pour l'instant, on peut pas. Donc, on va en refaire une. On va tester le 1v1. 1, 39, ok. Ah merde, on n'est pas encore assez haut en level. Donc, on va continuer là-dessus. Donc, vous voyez qu'une fois que tu as atteint ça, tu atteins un boss. Le boss, tu le tapes et tu passes au château de Dracula. Ensuite, au champ de maïs. Les marais. Le volcan, putain. Attends, mais les trucs. Et là, pour l'instant, c'est ça. Ça, c'est le dernier truc pour l'instant. Médaille de dévolution. Soyez reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de Spooky Wars. Terminez chaque saison en atteignant 12 000 trophées. Donc en gros voilà c'est ça, c'est un peu à la. Comment ça s'appelle? Ça me fait penser un peu à du. Ah merde. Donc on va recommencer une petite partie, on en fait une petite dernière tous ensemble et puis je vous lâcherai ici. Dans tous les cas, vous avez très bien compris comment le jeu fonctionne, c'est pas compliqué. Et ça dégage. Hop là. On va faire spawn ça pour l'instant. Je pense qu'avec ça on s'en sort très bien. Une petite unité de fantôme. Un petit coup d'éclair. Hop là, ici, je pense qu'on a gagné la game. En vrai, allez, pour le kiff. Petite unité aérienne. Voilà. Donc petit à petit, vous allez améliorer votre château. Vous allez voir sur le côté des trucs en plus. Vous voyez, là il y a une arme ici, une arme ici. Ça va vraiment progresser de plus en plus.
Tout simplement, Spooky Wars, les gars. Donc, petit Tower Defense avec un peu de PVP qui va arriver. Pareil, un délire de cartes pour ceux qui adorent un peu les jeux de cartes où tu fais spawn. Ça fait penser un peu à du Clash of Clans ou un truc comme ça, si je me trompe pas. En tout cas, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Un jeu assez récent. Je vous laisserai regarder. Il y est sur. Sur le lien pour. Play Store est juste en dessous. Apple, je ne le mets pas, mais ça, je vous laisse vérifier pour ceux qui sont sur la marque à la pomme, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, les gars. On se tient au jus bas pour une prochaine vidéo sur Shop Titan ou sur un hors-série. Tout simplement, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. C'était le Titan.